Cette nouvelle vidéo support de formation Excel. Aujourd'hui, nous allons voir un code de délibération d'une université. Donc, le problème en est qu'il y a, on nous a donné dans notre base de données les codes d'étudiants, les noms d'étudiants, le poste nom, voire même le prénom, son sexe. Il y a aussi le point de différents cours qu'il a reçu, comme ici nous avons les labos informatiques, ETOF, et des sites, algorithmes, programmation informatique. Et à la fin, il y a aussi la totalité, et il y a aussi ce pourcentage. Il y a, mettons, la mention que la personne ou bien l'étudiant doit avoir. Il y a celui qui a moins de 50, il a quelle mention en rouge, italique, quelle mention sur ajourné. Et celui qui a 50 ou bien de plus de 50, il a satisfaction. Et celui qui a 71, il a, ou bien 70, il a la mention distinction. Très important. Donc, nous allons voir l'importance de la recherche V à la place des fonctions si. Et vous allez comprendre comment nous allons le faire. Et il y a aussi déjà notre feuille des statistiques. Donc, dans les statistiques du jury, il y a un nombre d'étudiants. Vous devez savoir les garçons, les filles et les total, comme dans le cours de délibération que nous venons de faire et que nous allons faire ensemble avec vous. Et nous avons vu, il y a 75 étudiants, il y a 64 filles et il y a 64 garçons, 11 filles. Donc, il y a aussi le nombre des sites qui comptent aussi au nombre de 42 et garçons et 6 filles. Donc, c'est comme ça. Et à la fin, il y a le meilleur lauréat, celui qui a des pourcentages qui dépassent d'autres, qui est peut-être en augmentant ou bien à quelques pourcentages. Il y a aussi le code de l'étudiant, il y a aussi ses pourcentages. Ok, c'est parti. Et si vous voulez retrouver ce fichier de correction ou bien les fichiers que nous allons utiliser maintenant, vous allez les trouver dans les liens que nous aurons à publier. Ou bien si vous n'avez pas réussi ça, à les retrouver sur les liens, n'hésitez pas à nous écrire sur notre numéro qui sera affiché, ou bien nous écrire dans notre boîte email, vous allez les retrouver sans problème. Ok, pour ceux-là qui veulent nous donner un point, un coup de secours, ou bien nous donner aussi notre connaissance, comme je l'ai dit bien, je suis étudiant en premier graduat en informatique de gestion. Je dis bien que si vous voyez que cette vidéo vous semble un peu très bien, n'oubliez pas d'aimer et abonnez-vous à notre chaîne. Mais si vous voyez qu'il y a d'autres choses que je peux clariser ou bien que je peux régler, que je n'ai pas dû faire, je peux le faire avec d'autres vidéos en avance, ou bien vous allez nous faire seulement signe dans des commentaires. Merci beaucoup et c'est parti. Ok, nous avons notre base de données, une base de données. Pourquoi on appelle ça base de données? Je dois commencer d'abord à vous expliquer pourquoi on appelle ça base de données. La base de données, c'est celle qui peut avoir, comme nous avons ici, il n'y a pas de point de séparation, il n'y a pas les titres, il n'y a pas les codes. Vous voyez que c'est juste, c'est moi ça. Et donc, dans notre vidéo, nous allons utiliser un peu cette base de données qui nous servira. Il y a aussi le tableau des statistiques, vous voyez. Donc, il est dû de reproduire ça. Donc, ça, c'est une capture d'écran que je vais dû faire pour vous montrer un peu ce que nous allons réaliser bientôt. Mais nous avons les informations qu'on nous a données. Donc, notre information, nous allons d'abord lire. Donc, vous êtes chargé par le DG d'une université de faire un cri de délibération des étudiants. Sur C, il vous donne les données suivantes pour la réalisation de ces projets. Qu'est-ce qu'il vous donne, le DG lui-même? Excusez-moi, je suis vraiment trop bête. Donc, qu'est-ce qu'il nous a donné? Il donne une liste des étudiants qui comporte les codes, les noms, le poste nom, prénom, sexe et les points obtenus dans les différents cours, sans oublier les totaux, pourcentages et la mention qui sont vides. Donc, ce qu'il y a, ils sont vides. C'est ce que nous allons rechercher et faire ensemble avec vous. Travail demandé. Donc, dans cet exercice, nous allons réviser la mise en forme du tableau, les fonctions somme, calcul des pourcentages, recherche V, nombre science, ou bien nombre si, max et concaténé. Très important, très très important.
Nous allons maintenant démarrer notre vidéo. La première chose qu'on nous a demandé, c'est de trouver la somme des points dans le champ total. Ok, nous allons d'abord trouver la somme des points dans le champ total et revenir dans d'autres questions qu'on nous a posées. Merci beaucoup. C'est parti. Donc, vous savez, la première importance de faire quoi? De faire, je vais d'abord expliquer, d'avoir une base de données sous forme de tableau. Mettre sous forme de tableau parce que je peux faire la totalité ici. Vous voyez, donc cette vidéo s'adresse un peu à des personnes qui ont déjà un peu de connaissances, qui connaissent déjà le CDI, qui connaissent déjà une plage, qui connaissent comment faire des calculs, qui connaissent un peu d'autres choses. Mais nous allons montrer l'importance de la recherche V à la place des fonctions si, parce que dans de nouvelles formats ou bien dans de nouvelles Office qu'on nous a sorti 2019-2016, parce que moi ici j'utilise encore 2013. Donc on a déjà mis si imbriqué. Donc de si dans si, une formule ou bien une fonction dans une autre fonction. Mais ici nous allons voir, mais c'est facile à faire, je peux faire si dans si. Mais ici nous allons voir l'importance d'utiliser la recherche V à la place de si. Donc maintenant, vous voyez, je peux calculer d'abord la somme avec 100 mises en tableau, 100 mises sous forme de tableau. Je calcule ici, si vous voulez calculer directement. Donc vous allez sur somme, vous appuyez deux fois et on vous sort déjà la somme de ceci. Donc ici, on a calculé la somme à partir d'ici jusqu'ici. Maintenant, l'importance de mise en forme de tableau. Dès que j'en ai la réponse ici, donc ça sera pour tout le monde, vous verrez avec vous. Mais ici, le circuit maintenant de venir ici, dès que le point ici devient un peu noir, comme vous pouvez le voir, et de double-cliquer. Donc vous avez maintenant la réponse très très importante. Pour ceux-là qui ne savent pas mettre sous forme de tableau. Mais nous, nous n'allons pas utiliser cette méthode, nous allons chercher un peu la méthode qui est plus rapide et plus efficace. Okay, donc la première des choses, nous allons se placer dans notre base de données et nous irons maintenant dans mettre sous forme de tableau. Mettre sous forme de tableau, vous cliquez là-bas, vous cherchez quel tableau qui vous semble bon parmi tous les tableaux ici. Donc nous prenons ça. Ok, très important. On vous demande si votre tableau comporte des entêtes. Oui, mon tableau comporte déjà des entêtes. Très bien. Donc nous avons déjà notre tableau qui peut être une base de données opérationnelle. Donc nous allons utiliser cette base de données pour se rassurer des autres choses. Ok, c'est parti. Sans toutefois rester ou bien sans toutefois traîner, je dois commencer à calculer d'abord la totalité. Donc la totalité, ça sera, oh, je me suis trompé quelque part. Donc, c'est 850. Si vous calculez un peu, 200 plus 50 plus 120 plus 170 plus 250 plus 60, c'est 850. Je me suis trompé. Là, il faut que je puisse un peu réclariser. Oh, pardon. Ok, merci beaucoup. Je dois faire quoi? Nous allons calculer la totalité de l'étudiant sur 850. Donc, c'est ce que nous aurons à calculer pour savoir. C'est ce qu'on nous a demandé. On nous a demandé dans notre champ, on nous a demandé de trouver la somme des points dans le champ total. Ok, c'est parti. Donc ici, pour trouver la somme des points, il y a plusieurs méthodes que nous pouvons. Ou bien vous appuyez ici FX. FX, vous cherchez et vous allez tout et vous pouvez chercher somme, somme, somme. Là où il y a somme, vous cherchez un peu somme là où. Ok, ça y est là. Vous voyez, vous pouvez appuyer sur somme et vous sortez directement. Ou bien vous pouvez utiliser déjà ici, il y a déjà le signe. Dès que vous appuyez ici, il y a déjà somme. Ou bien dès que vous entrez ici, il y a somme, moyenne, NB, max, minimum et autres fonctions. Très important. Mais ce que nous voulons, c'est somme. Ou bien aller sur formule et aller aussi sur somme automatique. Là, c'est tellement automatique. Nous voulons notre somme que ça soit automatique. Donc nous sommes ici, j'appuie des fois directement. On me prend, on a calculé la somme d'ici jusqu'ici. Donc vous voyez ici, on a calculé la somme d'ici jusqu'ici. Très très important.
Ici, vous verrez que c'est tellement automatique de plus. Ça ne me demande pas de venir encore sur le coin pour faire un double clic pour que ça puisse un peu se retirer. Que ça puisse un peu s'étirer jusqu'à la fin. Mais vous verrez que donc sur partout là, il y a déjà le calcul des pourcentages, le calcul de total sur 850. Donc sur 850, celui-ci, lui, à 350, l'autre ici. Très important. Donc nous venons maintenant de terminer notre première question qui nous est demandée dans notre exercice. On peut d'abord le faire que non, on peut les considérer que notre question est déjà terminée et ça nous reste de terminer les autres questions. Autre question, c'est de trouver le pourcentage dans des champs de calcul. Ouh là 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 là, pourcentage. Plein de méthodes ici pour trouver le pourcentage. Donc nous devons chercher le pourcentage d'ici. Donc, comme vous le savez, le pourcentage, on l'a toujours fait. Le point obtenu, ou bien le point obtenu sur le point demandé, multiplié par 100. C'est ce qui est opérationnel, ou bien c'est ce que nous avons étudié. Mais ici, il y a aussi d'autres méthodes. Je peux prendre d'abord la première méthode. Je vais vous montrer d'abord la première méthode, comme ici, notre tableau, comme j'ai mis les signes pourcentage là, ça prend déjà un pourcentage. Je vais un peu mettre un peu quelque chose. Oups. Pardon. Que je change, que ça puisse être aucun format. Donc je suis ici, je fais ceci, je fais égal. Donc nous faisons égal ça divisé par 850 qui est la somme demandée et multipliée, et pardonnez-moi, multipliée, je peux chercher un peu la multiplication, comprenez un peu, mon ordinateur pose un peu des petits problèmes là, de clavier, multiplié par 100, je peux utiliser déjà le clavier visuel directement, multiplié par 100, oups, comme vous pouvez le voir, déjà, le pourcentage qui vient de sortir, mais comme ici, il n'y a aucun format que nous avons sélectionné, et donc dès que nous appuyons ici, on sort directement le pourcentage. Mais ça sort directement avec beaucoup de pourcentage. Au lieu que ça puisse nous donner 39%, mais ça nous a donné 3965. Vous savez pourquoi? Ok, nous allons comprendre pourquoi. Maintenant, deuxième méthode, on doit utiliser la même formule. On a utilisé la même formule, mais en enlevant d'abord les 100. On garde d'abord les 100. Ok, vous verrez. Mais dès que vous appuyez ici, on vous sort directement. Je dis bien que directement. Dès que j'ai fait ça, et j'ai fait ici, on vous sort directement les pourcentages. Très, très, très important. On vous sort déjà directement les pourcentages. Vous pouvez les voir. On vous sort déjà directement les pourcentages. Donc, si vous n'avez pas compris, je refais. Afin que la méthode puisse un peu être saisie, parce que l'objectif de ces vidéos, c'est de faire comprendre l'importance du calcul des pourcentages. Je peux recommencer. Donc, je vous ai dit que non, nous commençons par calculer de cette manière. On doit prendre ça, égal ça, divisé par le pourcentage demandé qui est 850. 850. Ok. Directement, on donne le pourcentage parce que j'ai déjà mis ces lignes ou bien cette plage en format pourcentage, comme vous pouvez le voir ici. Mais si je n'avais pas mis, si je mettais, pardonnez-moi, si je reviens et je mets ici aucun format. Donc, on me sort tout le numéro ici. Ça suffit de faire ces numéros ici, fois 100, pour trouver maintenant. Pour trouver les pourcentages, ou bien de venir ici et prendre ça. Et directement, on donne le pourcentage. Très, très, très important. Vous avez vu, nous venons de terminer un peu notre première et notre deuxième question qui nous a été demandée par les DG. Donc, ne vous en faites pas, nous allons terminer. Vous avez vu, dans notre cours de délibération, nous avons déjà du pourcentage. Mais qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste pour ce tableau pour que notre base de données soit un peu opérationnelle comme nous voulons?
comme nous voulons. Donc, il nous reste à regarder un peu, jeter un peu un coup d'œil sur les informations qu'on nous a fournies. Oh, nous venons de terminer ça. Ou bien directement, vous pouvez appuyer sur F4. Et là, ça vous répond le dernier mouvement que vous venez de faire. Et ici, on nous dit, pour ça, nous avons trouvé les pourcentages dans le champ des pourcentages. On vient de terminer. Et là, ici, il y a aussi quoi? Avoir automatiquement les mentions ajournées pour celui qui a le pourcentage inférieur à 50. La police doit être en rouge italique. Très important. Donc, nous allons voir. Essayons un peu de faire. Mais dans notre fichier là, on peut les récupérer d'abord. Dans notre fichier là, on a vu ici, c'est seulement la police. On a bien précisé. C'est la police. C'est la police. On a dit que. On a dit ici, la police doit être en rouge. Très, très important. Donc, on revient. Ok, qu'est-ce qu'on veut? La mention. Pour trouver d'abord la mention ajournée, trouver la mention satisfaction, c'est là où on devait utiliser si. Voyons maintenant l'importance de, comme je vous avais dit, que nous allons voir l'importance de si au lieu et l'importance de la recherche V au lieu d'utiliser les si. Donc, ici, on pouvait utiliser les si. Allons-y. D'abord, on cherche un peu si. Si. Fx. Donc, on part dans la fonction si. Nous sommes là. Ok. Je suis presque là. Ok. Bien. Donc, si test logique. Donc, on met d'abord les tests logiques. Si celui-ci est inférieur. Est inférieur, pardonnez-moi, mon clavier pose un peu de problème là. J'utilise un peu le clavier visuel. Est inférieur ou égal et inférieur à 50. Inférieur à 50. Inférieur à 50. Si vrai, hein? Si vrai, inférieur à 50. Donc, qu'on puisse nous écrire à journée. À journée. À journée, je peux écrire au clavier un peu rapide. À journée. Bien. S'il faut, s'il faut. Donc, s'il est supérieur à 50, on doit utiliser encore si dans si. Vous verrez maintenant, là où, attends que je lève ça. Donc, vous verrez maintenant, on met encore si. Et on ouvre maintenant les parenthèses. Vous savez, demande d'abord le test logique. Si, celui-ci est supérieur ou égal. Donc, supérieur ou égal. Parce que supérieur, si celui-ci est supérieur ou égal. Égal à 50. À 50. Ok, point virgule. On met le point virgule. Si c'est vrai, qu'on puisse nous faire la mention satisfaction. Satisfaction. Bien. Si c'est faux, si c'est faux, si c'est faux, si c'est faux, qu'on puisse nous faire la mention distinction. Si c'est faux, la mention distinction. Distinction. Ok. Et dès que j'appuie, très 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 utile. Mais oh, je me suis trompé quelque part. Je me suis trompé quelque part. Attendez, nous allons voir. Est-ce que c'est sorti toujours? Donc, je suis.
Oh, je devais mettre bon, tout ça, c'est dans si. Donc, la première chose, test logique, va l'air si vrai, va l'air si faux, ça commence déjà avec si, va l'air si faux. Donc, je dois commencer si, celui-ci, est prêt ou égal à 50. Celui-ci aussi, supérieur à 50, qu'on puisse me donner promotion, satisfaction. Est-ce que j'ai respecté toutes les conditions? Je puisse l'avoir changé. Distinction. Distinction. Satisfaction. Fonction ici. À 70. Mais vous voyez que nous sommes en train de cocher là où la valeur s'y faut, la valeur s'y vrai, la valeur s'y faut. Encore si notre test logique va l'air si vrai, l'air si faux. Qu'est-ce que je n'ai pas respecté, moi? Qu'est-ce que je n'ai pas respecté, moi? Tout est respecté. Tout est respecté. Alors, je vais d'abord changer. Je me suis trompé quelque part, que je puisse un peu revenir. Donc, si c'était valeur si faux, valeur si faux, satisfaction. Alors, c'est. Notre qui pose un peu de problèmes là, que je puisse un peu recommencer. Donc, ici, on va utiliser les fonctions ici.
utiliser directement ici. Test logique, je pense directement. Test logique, si c'est d'ici. Et j'utilise un peu ça. Et est inférieur. Inférieur à 50. Compression est donnée. Compression est donnée à journée. Compression est donnée à journée. Ici, on peut se mettre donner cette fraction. Ne fonctionne pas. J'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Si je suis supérieur, est inférieur plutôt. Est inférieur. Là là là, oh. Je n'ai pas mis les pourcentages. Et voici là 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 là, je suis tellement trop bête, trop bête, trop bête. Là là là, il me fait revenir un peu. Il faut un peu revenir. Il me faut revenir. Je veux un peu revenir. Ah là 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 là, j'ai commis des erreurs. Ah là 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 là, j'arrive bien. Oups, j'ai commis des erreurs là. Alors, je devais mettre pourcentage. Ah là 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 là. Je devais mettre le pourcentage, ok. Notre famille, ça y est là. Ok. Bien. Ici, nous devons mettre le pourcentage. Très important. Car si vous ne mettez pas le pourcentage, je le considère très, très, très important. Ici aussi, pourcentage. Très important. Je suis un peu navigué. Bien. Mes chers amis, je me suis un peu planté. Ok. Ça va. Ok. Bien. Ok. Mais ici, ça pose des problèmes. Celui-ci a 70. Nous voulons que ça puisse un peu être distinction. Oh, veuillez un peu me pardonner pour le temps que j'ai dû mettre, mais je me suis planté. Eh bien, je n'avais pas vu bien. Donc, il faut que je puisse mettre pourcentage. Alors ça, je ne suis pas. Si on peut commencer avec 70 d'abord. On commence avec 70. 70.
Bien. Est-ce que... Non, 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 non. Que je vais plus être ici. Stop avec ses tentes. Ok. Très bien. Très bien. Très bien. Ok. Donc, on peut changer juste de mention. Oh, mes chers amis, veuillez un peu me pardonner, veuillez un peu me pardonner, veuillez un peu me pardonner pour le temps que j'ai dû mettre, mais je me suis ressaisi. Vous savez, ce tic ici, c'est trop bête si vous commettez une petite erreur là. Satisfaction, satisfaction, satisfaction. Ok, si vous commettez un peu. Voilà, c'est tellement problématique. Ok, c'est comme ça. Ok. C'est ce qu'on voulait. Bien. Ok, on peut voir ici celui qui a 40%, c'est à journée. Et donc, il doit reprendre celui qui a 53, c'est satisfaction. Et celui qui a 71, déjà directement, c'est distinction. Il a distingué. Et donc, celui qui a aussi 71, 74, on peut voir 76, ces distinctions. Très, 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 très important, mes chers amis. Vous voyez. Mais ce que je voudrais un peu vous faire savoir, ce n'est pas de vous ramener à la fonction sur mes sites, à la recherche V. Et ça même, c'est un autre problème. Donc, vous avez vu, pour mettre seulement les trois trucs là, ça pose un peu de problème. Vous avez vu comment. Mais on peut mettre encore d'autres. Donc, dès que. Je reviens que je puisse un peu, vous voyez. Donc ici, nous, on a fait le premier si, c'était si celui-ci est inférieur à 50, qu'on puisse nous prédire à journée. Et dans le valeur faux, pardonnez-moi, le valeur faux, nous avons mis encore, si celui-ci est inférieur et supérieur ou égal à 70, qu'on puisse nous mettre distinction, et on pouvait aller encore la valeur. La valeur faux, cette valeur, si on pouvait encore mettre ici si, mais les si, comme les deux si qu'on a, ça pose un peu de problème, c'est pour cela qu'on ne saura pas continuer. Mais le méthode le plus simple, le plus rapide que je puisse un peu vous montrer dans cette vidéo, donc le plus très 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 important, donc c'est la recherche. Donc, deuxième façon. Ça, c'était juste c'est pour vous montrer qu'avec ce, on peut aller, mais ça pose un peu de temps. Donc, ok, d'abord, donc le premier quoi, on crée encore une feuille. On fait ici, on écrit pourcentage. Ici encore, on écrit mention. Bien, ici nous avons 0%. Comme vous pouvez le voir, nous avons 0%. Ici, nous avons 50%. Ici, nous avons 70%. Ici, nous avons à journée. À journée. Ici, nous avons satisfaction. Ici, nous avons distinction. Bien. Très, très, très important. Donc, ici, nous allons ajouter des pourcentages. Parce que si on n'ajoute pas les pourcentages, ça doit nous ramener encore dans notre problème que nous avons connu ici. Donc, je ne puisse pas encore être dans le même imbroglio pour que je puisse imprimer les pourcentages directement. Directement le pourcentage. Directement. Donc je le mets en pourcentage. Donc ici, c'est notre base de données que nous allons créer. Vous verrez l'importance de cette base de données. Mais même sans base de données, on peut faire. Mais nous allons la mettre sous forme de tableau. Parce que les tableaux doivent récupérer d'autres voilà que nous allons mettre ici. Même sans toutefois venir encore ici faire des recherches. Ça doit récupérer automatiquement. Nous prenons notre base de données, mettre sous forme de tableau. On peut prendre n'importe quel tableau. Le tableau comporte, oui, comporte. Très important. Et nous venons ici. Nous
peut le déplacer jusqu'ici, ça ne dit rien. Oups, on vient ici. On fait maintenant la recherche V. La recherche V, la recherche verticale. La recherche la plus utilisée. La recherche V. Ok, nous l'avons. Ok, ici notre recherche V, vous savez. Nous recherchons quoi? Comme dans notre feuille ici, il y a déjà le pourcentage. Mais il n'y a pas de 13 et autres. Vous verrez automatiquement comment ça doit se faire. Nous recherchons du pourcentage. Nous recherchons ça, du pourcentage. Dans quelle table de matrice? Dans cette table de matrice ici. Très important. Ici, vous allez voir, on peut prendre comme ça. On peut prendre comme ça. Jusqu'ici. Ça va aller. Et on peut prendre aussi, mais ça, vous verrez, c'est tellement tous les nombres, mais on peut dire non, non. Donc, on écrit un peu d'autres choses qui ne sont pas. Ça sera seulement pris en charge par notre recherche. C'est ce qui est mal. Et ici aussi, donc, il y a quoi? Je peux voir. Il y a quoi? Ici, on peut sélectionner. On peut sélectionner, faire comme ça. Faire comme ça. Mais ce n'est pas toujours bien. Mais pour faire ça, on le fait automatiquement. Venez dans les diagonales de notre tableau et ça devient maintenant obligé. Vous pointez là-bas. Ok, directement, on vous prend. Dans quelle colonne? Nous cherchons dans la deuxième colonne. Oups. Deuxième colonne. Valeur proche, c'est. Il y a des valeurs proches. Hein? Ce que veut dire vrai. Ou bien on peut écrire vrai. Vrai. Le tout ici. Ça s'écrit. On peut dire comme ça. On peut dire vrai. Vrai parce que j'avais mis l'espace. Ok, on peut dire vrai. Il y a le valeur proche. Le valeur proche de 0, c'est 10, 10, 11, 12 et autres jusqu'à 40 ou jusqu'à 50. Parce que nous ne voulons pas de valeur. Oh! Ici, c'est pas trop mal là. Vous avez vu? Ça ne pose pas de problème. Très important. Très 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 important, mais je peux ajouter un peu quelque chose. Je peux changer, je dis que non, c'est là qu'il y a un nom à partir de 20 jusqu'à 50. Donc là, on peut le dire, on peut le dire que je puisse faire quoi, ce qu'on peut lui donner, quelle mention, deuxième session. Donc, on peut dire d'abord de quoi, d'abord comme ça, pour voir maintenant l'importance. Et notre, on peut dire comme ça, on ajoute un peu une ligne. Très important. Non. J'ajoute un peu en dessous de celui-ci. J'ajoute un peu ici. Très important. On fait ça. Je peux déplacer ça. Directement, on le déplace. Ok, ça nous laisse un peu d'espace ici. On écrit 20. 20. Ok, quelle mention? Mention. Deuxième session. Deuxième session. Ok. Ici, nous avons déjà quatre valeurs que nous allons rechercher. Et dans notre... Oh, pas mal ça. Verrez. Vous voyez, il y a déjà deuxième session pour... toute valeur qui est comprise entre 20 jusqu'à 49. Donc on regarde un peu celui qui a 50. Est-ce qu'il y en a? Il y en a. On ne suis pas un peu localisé, un peu 50. Mais vous verrez, vous voyez déjà directement qu'il y a. Non, on a respecté. Deuxième session. Il est déjà inséré. Donc c'est ça. Notre, on peut ajouter encore plein de choses ici. Plein de choses qu'on peut mettre. On peut un peu s'amuser, mais je ne parle pas de s'amuser, mais c'est de se concentrer. Comme notre DG, il nous presse déjà pour la programmation, ou bien pour donner des résultats, ou bien pour délibérer des élèves. Ok, vous voyez, quand je vais effacer, c'est automatiquement parti. Notre deuxième session est partie. Très important dans la recherche. Ok, je vois que nous venons de terminer notre travail, mais qu'il n'est pas encore terminé, parce qu'on nous avait demandé qu'ajourner, tout celui qui a ajourné, que ça puisse être... en italique, mais avec la police rouge. Oh, ça commence à chauffer.
Ici, nous voyons déjà la mise en forme conditionnelle. Donc, nous voulons mettre notre mise en forme conditionnelle ici. Très important. Pour la sélection, dès que vous voulez sélectionner, on ne prend pas les titres. Si vous voulez sélectionner avec les titres, on peut double-cliquer. Là, vous avez pris les titres, mais nous, nous n'avons pas besoin des titres. On clique seulement une seule fois. Vous voyez, on a sélectionné jusqu'à la fin. Et ce que nous allons faire ici, on a sélectionné les tableaux. Dès que nous ajoutons encore d'autres, on doit faire à la fin, vous allez voir. Dès que nous ajoutons encore une autre valeur ici, à la fin, on doit prendre ça automatiquement dans les tableaux. Très, très, très important. Merci beaucoup. Je continue. Je prends ça. Je prends la mise en forme conditionnelle. Nouvelle règle. Une formule. Bien. Qu'est-ce qu'on dit si ici égal en journée, on doit mettre toujours sur deux points de suspension pour montrer que non, c'est des tests à journée. À journée. Ok, format. On appuie sur format. Ok. C'est la police qu'on cherche. Hein. La police qui s'appelle simplement en rouge, italique. Ok. Maintenant, les problèmes, vous voyez, comme ici, si nous laissons notre permis, dès que j'appuie, tout ceci prendra déjà rouge. Mais nous, ce que nous voulons, ce n'est pas ça. Nous voulons que c'est seulement là où il y a un journée. Dans ce cas-là, pour qu'on puisse un peu considérer un par un, on doit enlever le dollar qui est entre les 7. Enlever le dollar. Et on fait OK. Très, très, très important. C'est pas mal ça. Ah oui. Je sais que le directeur, le DG, va être satisfait de notre travail. Merci beaucoup. Donc, nous venons de terminer notre premier travail qu'on nous a demandé, mais ça nous a pris du temps là. C'était pour expliquer l'importance de la recherche V. On passe, on dit encore que la mention satisfaction pour celui qui a des pourcentages compris entre 50 et 69, la police doit être en couleur jaune italique. Ok, très bien. On va les faire encore rapidement. Bon, c'est moi la même donc le même méthode là on le fait nouvelle règle formule déterminée utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué très important c'est quelle formule si ici égal égal quelle mention mention sur satisfaction satisfaction bien le format sera italique mais jaune cherchons un peu les jaunes là on peut les récupérer à partir d'ici ouf c'est pas mal ça c'est pas mal ça oh on a déconné quelque part. Oh, c'est ce que je vous avais dit. Comme ici, il n'y a pas satisfaction, c'est pour cela que vous avez vu, il n'y a pas de jaune. Mais si, donc nous allons refaire. Donc nous venons ici, on fait gérer les règles, on vient ici, on appuie, modifier notre règle, on vient, vous voyez, parce que je n'avais pas enlevé un pour que ça puisse prendre ligne par ligne. J'enlève. Oups. Et vous verrez, oh, c'est pas mal ça. Vous voyez, c'est satisfaction, mais on peut changer de couleur, peu importe ce que le DJ nous a dit. Hein. Est-ce que satisfaction, mais si, laisse pas voir, mais donc je puisse un peu changer. Ou bien ça doit nous prendre encore le temps de terminer le travail. Est-ce que c'est tellement, on nous attend, donc on peut se passer. Mais vous avez vu, l'important c'était seulement, on peut l'agrandir. Peut l'agrandir. Oh, mais vous voyez, c'est satisfaction. Ok. Ok, encore qu'est-ce que le deux jeux nous a demandé? On nous a demandé quoi? Je fais ça. Mais si vous faites ça, si vous faites double-cliquer, donc vous avez que je fais seulement juste en haut là, on prend ça. Qu'est-ce qu'il nous a demandé? Il a demandé distinction et une nouvelle règle. Distinction. Donc utiliser une nouvelle règle. Si celui-ci. Égal distinction
version format puisse être un vert gras italique. Gras italique. Mais un vert. Je prends un peu ça. Bien. Bien. On enlève notre dollar. On sera bloqué. Bien, on peut le faire en appuyant sur F4. Ouh. Ça me patine, ça patine. C'est quoi? Qu'est-ce que nous avons déconné? Je reviens un peu. Je reviens. Pourquoi distinction? Gérer les règles. Gérer les règles. On prend ici. Est-ce qu'on a respecté? Oui. Nous avons respecté. C'est ici. Bien. Est-ce que. Encore, qu'est-ce que. Oh. Distinction, on n'a pas respecté le point. Ou bien. L'orthographe. Bien. Ok. On n'a pas respecté l'orthographe. Très important. Distinction. Avec N. Bien. C'est pas mal ça. Je vous ai dit que si vous commettez une simple erreur là, mais l'erreur est humaine, mais vous pouvez les commettre, mais ça ne doit plus fonctionner comme je l'avais écrit distinction. Ok. C'est pas mal ça, vous avez vu. Vous avez vu, mes chers amis. Donc, nous venons de terminer notre premier boulot qui est le DG. On peut voir, donc, c'est lui qui a ajourné en rouge. Satisfaction en jaune, distinction en vert. Donc, le premier boulot que le DG nous a demandé, est-ce que c'est fini? Oups, oh, on peut mettre ça. On peut mettre ça. On vient appuyer seulement juste F4. C'est fini. Oh, D. Qu'est-ce que le DG encore nous demande? Le DG aussi. Il a exagéré avec des demandes. Ok. Le DG nous demande dans les tableaux des statistiques. Le DG veut connaître le nombre des étudiants total. Et le nombre des garçons. Oh. Très très important statistique. Bon, les statistiques, donc il y a le mise en forme. Donc nous devons mettre en forme ceci. Nous devons mettre en forme ceci, je le répète. Nous devons mettre en forme ceci. Donc, comme on vient de. Comme on peut le voir. Là, dans ce cas-là, ça nous doit nous demander quoi? Là, ici, ça demande un peu les gens là qui ont déjà étudié le fusion. Et vous allez voir, nous utilisons déjà la fusion. Mais nous voulons que ça puisse un peu être fusionné jusqu'ici. Comme on peut le voir. Donc, je puisse un peu faire ça. Commençons déjà notre boulot. Je vais faire ça rapidement là. Faire ça. Vous le voyez. Comme on peut le voir, on prend ça jusqu'ici. On fusionne. Donc, on doit fusionner. Très bien. On peut voir que notre boulot a déjà commencé. On prend ça ici, on prend aussi ça jusqu'ici, 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 on prend aussi ça. Ça n'a rien à voir, mais ça montre un peu l'esthétique. L'esthétique, il faut sûrement prendre un peu votre temps là, de faire ça pour que ça puisse un peu montrer. Et de l'esthétique. Donc on prend maintenant ça. C'est quelle couleur que le DG lui-même nous a demandé. Et cette couleur ici, c'est la même couleur. Ok. Ici, il doit être en rouge, gras. Donc je vois ça, c'est impact. Impact. Donc je cherche un peu impact là. Comme vous pouvez le voir. Bien, c'est Cooper Black. Un peu de Cooper Black. Black, ok. On les grandit un peu. Bien. Ok, c'est pas mal ça. On fait aussi quoi? Ici c'est jaune. Ici c'est jaune, comme on peut le voir. Notre jaune doit être un peu séparément. C'est jaune. Bien. Vous utilisez maintenant F4. Ah, ok, vous voyez. F4. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi, F4.
Et ici aussi, F4, donc vous utilisez F4, ça doit fonctionner. F4, ça doit fonctionner. Ça doit fonctionner. Au lieu de seulement de partir là-bas, donc nous utilisons seulement F4 directement. Directement, ça fonctionne. Directement, ça nous garde un peu ce qu'on avait mis à la fin. C'est que ceci ici. Mais c'est l'étudiant, je ne suis pas l'élève. Ça nous garde un peu. Ok, on se rapproche de ce que le DG nous a demandé, comme nous avons terminé avec les jaunes. C'est pas mal ça, on peut mettre en gants les jaunes aussi. Ok, on commence en gants avec ces couleurs ici. On cherche un peu les couleurs. C'est quelle couleur? Ok, c'est les voilà. Ici aussi, on peut les prendre. On peut les prendre. On peut les prendre. On peut les prendre. Non, non. Non, non, juste ici. Ok. Quelle couleur aussi qui domine, c'est ici. On peut prendre un peu ces couleurs de merde, ça et là. Donc, jusqu'ici, on y prend quelle couleur aussi qui nous reste. Cette couleur, quelle couleur là, c'est un peu bien. Ok, ici, et c'est pas mal ça. Donc, nous allons mettre un peu. Donc, on prend d'abord ça. On utilise un peu bordure épaisse et encadrée. Ok, vous voyez, ok, c'est un peu épaisse et encadrée, mais nous voulons que ça puisse un peu être partout. Partout, comme ici, vous l'avez vu. Vous l'avez vu là-bas. Je prends aussi là-bas. Et je prends maintenant la totalité. Bien. Ok, c'est pas mal ça. On peut les voir. Bien. Ok. Qu'est-ce que nous sommes en train de rechercher? Nous recherchons d'abord les nombres d'étudiants. Garçons, filles aussi. Ok. Ici, nous allons commencer à utiliser donc d'autres recherches. Comme on nous a dit, chercher le nombre d'étudiants. Nombre d'étudiants statistiques. Ici, on doit chercher le nombre si. Donc, le nombre qui compte avec condition. C'est ça ce qui signifie nombre si. Nombre si. Plus de formules. Plus de formules. Ok, on utilise quelle formule et tout les formules. Nombre si, nombre si, nombre su, nombre voile, monte un peu. Ok, ça est là. Bien, lui aussi, il a des réglages. Il y a la plage de comptage et aussi les critères. Mais qu'est-ce que nous allons compter? Oups. Attention, je commets un peu de sottises là. Ok. Donc ici dans notre plage de comptage, on doit compter quoi? On doit compter le nombre d'étudiants. Je peux compter peu n'importe où parce que c'est toujours. Mais je compte même ici, quand vous là où vous voulez. Bah, je compte. Quels sont maintenant les critères que je puisse. Notre critère ici, il y a quoi? Ici, il y a quoi? Pour les garçons, on a écrit M. Et pour une fille, on a écrit F, qu'on me compte le M. On me compte juste le M. Juste le M. Moi, je veux qu'on puisse me compter juste le M. Qu'on puisse me compter le M. On puisse me compter le M. Je sais pas, je sais pas, je commets un peu des erreurs. Quelle erreur que j'ai commis? Ah, je n'ai pas déterminé là où on compte. C'est un peu quelque chose qui semblait un peu être utile. C'est ici qu'on puisse me compter le M. Ici, non, 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 c'est ici que j'ai commis l'erreur. C'est ici que j'ai commis l'erreur. Donc, je prends n'importe où, mais on doit compter ici. Ici, mais comme on compte juste des M. Pas terminé. Ok. Bien. Nous avons déjà 64 étudiants. Oh, c'est comme ça, oui. Ici aussi, c'est la même chose. On peut seulement recopier notre formule.
recopier notre formule, faire aussi ici la même chose et venir ici et copier et changer ici au lieu de M qu'on écrit un F. Très important. Ok, la totalité ici, on doit mettre juste seulement notre somme automatique. Notre somme automatique qui doit nous prendre. Non, non, nous voulons ça, ça et ça. Bien. Ok, 74. Très important. Très, très important. Ici, maintenant, les nombres de réussites. Oh là là. C'est là où ça pose maintenant les problèmes. Nous voulons les nombres de garçons, mais des réussites. Des réussites. Là, nous n'allons pas encore utiliser NC. On doit utiliser maintenant NC 11. Très, très important. NC. Ainsi, nombre suit 11. NB plutôt. Et voilà. Ici, nous prend beaucoup de règles. Donc, ici, qu'est-ce que nous voulons? Nous cherchons d'abord qu'on puisse nous compter les garçons. Ici. C'est que c'est ici qu'on nous compte M. M. Bien. Deuxième truc du critère qu'on nous compte ici. C'est ici le problème. Ici, on doit faire celui-là, hein, ici, qui est supérieur critère. Hein, supérieur à 50%. C'est que ceux-là qui ont réussi, oui. Supérieur, non, non, ça c'est inférieur. Supérieur. Supérieur ou égal. Supérieur égal à 50%. Bien. Donc, je m'explique. Je m'explique un peu, afin que je puisse un peu être clair. Donc, ici, nous avons beaucoup de critères. Ça nous demande beaucoup de critères. Le premier critère, on puisse d'abord me compter seulement les garçons. Maintenant, le deuxième critère, qu'on puisse me compter les garçons qui en a des pourcentages qui est égal ou supérieur à 50%. Donc, c'est là qu'on a réussi en disant. J'appuie ici. Bien, pas mal. Donc, nous avons ici 39 garçons. Pour les filles, dès que vous comprenez, c'est moi, première formule. Donc, c'est ce que vous allez utiliser partout. Mais ça sera plus le cas avec d'autres. Hein? Point, je fais ça. Je viens ici, je recopie. Je recopie ici, je change. F. Mais c'est ça l'importance. O, 5. Pas mal ça. Ici, c'est notre truc là. Nous voulons ça. Et ça aussi. Ok, ça nous donne 44. Ok. Le nombre de réussites, nous avons 44. 44, 44. Ici, il y en avait le nombre d'étudiants, 64, mais nombre de cela, nombre de réussites, nombre de sites, 48, oups, on ne sait pas, mais ici nous avons 44. 44, si on peut continuer, on peut les raffirmer pour que nous puissions un peu être sûr de ce que nous avons. C'est un tableau qui demande un peu de filtrer. Donc on vient ici, nous avons besoin de F, de M, M, juste M. Voyez, en fait, M, on vous compte déjà c'est 64, mais là-bas on avait déjà 64. Venant ici, nous en avons un peu, que nous puissions filtrer un peu, ce qui est au-dessus des 50. Que je filtre un peu au-dessus. Ok, égal supérieur. Ok, super, on peut utiliser ça. Filtre numérique. Supérieur ou égal à 50%. Supérieur ou égal à 50%. Bien.
On a fait le trait. C'est là. Ok, on nous montre combien? 39. Les garçons qui ont réussi, qui ont du pourcentage supérieur ou égal à 50. Mais dans notre statistique, nous avons combien de garçons? Vous voyez comment j'ai fait le trait? C'est 39. Très, très important. On peut changer encore. On peut changer encore. Ici, dans notre feuille de sexe, on met encore fille. On enlève maintenant garçon. Oh, c'est pas mal ça. Vous pouvez même les voir. F, F, F. Et on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Très, très, très bien. Oups. Annuler le filtre. Nous sommes dans les bons. Bien, nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons. Bien. Oh, si vous doutez de ce que vous êtes en train de faire, vous pouvez aussi filtrer comme je viens de le faire. Donc, ce sont des techniques qu'on peut utiliser dans d'autres vidéos que je viendrai vous montrer. Donc, le filtre. Donc, nous allons utiliser le filtre ici, sans toutefois mettre même en sous forme de tableau comme celui-ci, mais on doit l'utiliser dans de nouvelles vidéos. Mais nous allons un peu rapidement, comme notre DG est en train de nous demander la réponse. Ou bien, attend notre travail. Nombre d'échecs. Nous voulons savoir nombre d'échecs. Nombre d'échecs des garçons et des filles. Ok, pour que nous puissions être assis. Nombre d'échecs, nous allons utiliser seulement ça. Allons utiliser ça, cette formule ici. Copier. Escape pour que ça puisse être ici et recopier ici à partir d'ici. On fait ça. Ici, nous avons c'est là plus inférieur ou inférieur. Nous allons utiliser inférieur à 50. Celui qui est inférieur, celui qui est en dessous de 50, c'est celui qui a quoi? Qui a échoué, oui. Et oui, c'est ça. Ok, on compte déjà pour des garçons et ici des filles. Sur la même formule. L'utilise ici. On change juste le sexe. On enlève d'abord. On met F pour entrer en terre. Bien 5. On met encore notre truc ici. Donc ça nous demande ici. Non, non, non. Donc, première somme, première, deuxième, non, c'est pas ça, c'est pas ça, nous ne voulons pas ça, nous voulons ici, donc, je me suis trompé, par la somme qu'on voulait, vous voyez ici, on va dire d'ici, attention, à partir d'ici, on peut enlever ça, nous voulons, ça commence. Ici et ici. Bien, à terre. Ok, 30. Pas mal. 30 plus 40, ça fait déjà 44. Oh, nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons. Nous sommes dans les bons. Et ici, ici. Ok, c'est toujours la même chose. C'est 75 élèves. Oh, bon. Oh, c'est 11 filles. Donc, oh, c'est celui que nous allons utiliser à la fin. Ah, bon, nous allons voir. Nous allons voir. Notre tableau doit se ressembler aussi à ça. Nombre de distinctions. Distinction. C'est toujours la même formule là. La même formule. Donc nous allons utiliser quelle formule là? Celui-ci. Celui-ci. Nous allons utiliser celui-ci. Supérieur égal là. Là où on a utilisé supérieur égal. Distinction, on fait ça. Plus ou moins à 70. Ça m'aide un peu. Pardon. Vous voyez, nombre de distinctions. Si vous avez doute, vous allez filtrer aussi, vous allez voir des filles et aussi des filles. Les mettre ici, on prend ça. C'était pour les garçons. Oups. Oups. Ici, on change. Ça ne soit pas les garçons, ça peut être les filles. Très important le nombre 11. Oh, malheureusement, dans notre promotion, il n'y a pas une fille qui a distingué. Total, ça sera 6. Donc, on est si parti aussi directement. Mais ce que nous voulons, ce n'est pas ça. On veut aussi ça. Ok.
ça peut se donner quoi, 6. Oh, ah, malheureusement. Nombre de satisfactions. Ici aussi. Ici, nous allons utiliser quoi? Nous allons utiliser toujours la même formule. La même formule. Garçon. Bien. Bien. Mais ça doit changer. Ça doit changer. Je vais mettre encore afin que vous puissiez comprendre. Si vous n'avez pas compris, si je l'avais fait rapidement, je l'ai refait encore ici pour que vous puissiez comprendre. NB 611. Je l'utilise. Ok, ça nous donne d'abord des réglages. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons le nombre de satisfactions ici. Compris sur le compte d'abord ici, quoi? Les critères. Plage des critères. Plage des critères. On part ici. C'est dans sexe. Ok. Premier compte quoi? Premier compte M. Premier compte le nombre de M. Deuxième plage des critères. Nous allons changer. Nous irons ici. Nous allons ici. Ok. Qu'est-ce que l'on veut? On peut se compter à journée. Non, 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 non. C'est satisfaction. Oui. Satisfaction. Parce que si je faisais encore, et donc si je faisais. Ici, on a utilisé rapidement parce que à partir de septembre, il n'y a pas d'autres trucs là. Mais si je faisais ici, mais ici, si on change dans notre tableau de recherche, que non, non, et de telle mention, ça doit compliquer. Mais ici, je fais, si je faisais encore quoi, si je peux revenir, c'est ce que je vais dire. Et si je faisais encore plus ou moins 50, ou bien ce qui est égal ou supérieur à 50, et donc ça me demande encore jusqu'à. Et c'est pour cela que j'utilise seulement les noms à journée. À journée. À journée. Ok. Oh, c'est pas mal ça. Bien. Ils sont au nombre de 25. Ici, le même critère. Ah, moi, au lieu de mettre satisfaction. Ici, on a demandé satisfaction. Mes chers amis, comprenez-moi. Comprenez-moi. Aimez. Satisfaction. Ok. Ou bien, je peux écrire satisfaction. Je pars copie. Parce qu'avec les copier-coller, ça n'aurait copié avoir l'air tel qu'on avait écrit. Peut-être j'ai commis des erreurs. Mais on prend savoir ça. On prend ça, copie. Bien. Je m'emballe ici. Même si je peux coller. Oups, ça n'a pas tenu. Pas coller, copier, bien, ici, coller des valeurs, satisfaction, donc à partir de cette valeur, je peux les recopier aussi, copier, allez-y ici, tellement rapide pour que ça ne puisse pas causer, ah, j'avais mis l'espace moi, c'est quoi ça, bien, on nous a compté. Pas aussi ça. Vous voyez, je reviens toujours sur l'utilité de ne plus commettre des erreurs. Ici, c'est F. F, la totalité. Toujours le même. Notre simple bête formule. Okay. La journée. Alors, nous allons utiliser maintenant la journée. Nous allons utiliser la journée. Copier maintenant ici, on doit changer la mention. Ça sera la journée. La journée. Bien. Très important. Nous en avons 25. Ici, on peut les recopier pour que nous ne puissions pas écrire encore la journée. Nous sommes presque à la fin. Nous sommes presque à la fin, mais nous ne sommes pas à la fin. Bien. Ok. Oups. On n'a pas changé. C'est depuis hein, que le DG a besoin. Ok, 5. La totalité. Ici aussi, ça.
C'était toujours la même chose, hein? Un nombre d'échecs. Mais les DG aussi nous a demandé des choses à la fois. Les mêmes choses qui reviennent encore. Qui reviennent encore. Donc, nous, on va avec ça. Oups, qu'est-ce que moi j'ai mis? Qu'est-ce que moi j'ai mis? Je ne pouvais pas mettre ça. Mettre aussi ça. Bien, 30. Ok. Là où ça pose des problèmes. Là où ça doit chauffer. Ok, nous sommes presque. Qu'est-ce que les DG nous demandent encore? Ah, tout ça, je sais qu'on a déjà bien récupéré. Donc, il nous reste. Oh, donc ici, on peut le mettre dans les surveillances bleues. Ok, pour montrer que DG, nous n'avons pas encore quoi faire concernant ce que tu nous avais demandé. Concernant ce que tu nous avais dit. Ok, c'était ça. Ok, demande quoi? Le DG veut connaître les meilleurs lauréats. Son nom complet. Bon, les sexes, les codes de l'étudiant et ses pourcentages. Oups. Statistiques. On cherche ici les noms complets de l'étudiant. Très, très important. Les noms complets, son sexe, les codes et les pourcentages. Mais nous, nous n'avons pas ici. Nous n'avons pas ici les noms complets. Les noms complets, on peut les voir, c'est. Et comme ici, il y a toujours les noms, post-noms et les prénoms. Donc, comme ici, il y a Messi, j'ajoute, il y a Messi Kanyinda. Kanyinda. Donc, il y a le Messi Kanyinda Mukendi Mardouchi. On doit avoir Kanyinda Mukendi Mardouchi dans une seule case. Mais comment avoir ça? Ou c'est ce qu'il doit faire? Identifiant d'un autre étudiant. Pour ça, pour qu'on trouve ça, comment et où est-ce qu'on peut le mettre? Qu'on puisse d'abord chercher les pourcentages. Le pourcentage. Pour chercher les pourcentages ici, on cherche d'abord le pourcentage. On doit chercher dans les barres. Là, on doit utiliser notre formule. Formule max. Max. Ok. Très, très, très important. Max. Oups. Ne démarre pas. Ok, le max. On n'a plus prendre à ça. Nous avons besoin de max de quelque part. Qu'on puisse faire un peu. Le max d'ici. Le max, on doit prendre seulement les chiffres, le plus haut de tous les chiffres. C'est ce qu'on doit prendre. Hop. Très bien. Donc, notre meilleur lauréat pour le moment est là. 76. 76%. Ok, alors qu'est-ce que nous allons chercher? Nous allons chercher les noms de cet élève. Les noms. Oups. Alors, c'est tellement compliqué ici. La recherche, vous voyez aussi, ça commence des couches, mais nous avons cherché ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut ajouter l'identifiant, que ça puisse être au gauche, pour que ça puisse être très, très, très rapide. Je fais quoi? J'ajoute. J'ajoute. Vous verrez l'importance de ce que je suis en train d'ajouter ici. Ajoute. Mais nous n'allons pas les utiliser. Ici, on fait identifiant. Identifiant. Identifier notre élève. Oh, pourquoi? Pourquoi ça ne prend pas en charge insérer tableau à gauche, colonne, les tableaux à gauche, ok. Encore notre colonne, très bien. Encore notre colonne à gauche, très bien. Mais moi, j'ai besoin d'avoir des celles-ci. On met identifiant. Ici, on met les pourcentages. Qu'il ne puisse être un peu pourcentage. Pourcentage. Bien. Pourcentage. On peut même changer notre statistique. Très important. Même changer notre statistique. Ça peut être même de ces côtés ou bien du même côté. Et pour récupérer les pourcentages qui est ici, on fait ça. On fait rapidement. Parce que le temps presse. Et j'ai vu égal ça. Et déjà risque de venir et nous trouver sans retard. On met, comme vous le savez déjà,
Parce qu'ici, il n'y a pas aucun format. Donc, c'est ici, on fait pourcentage. Bien, nous avons les mêmes valeurs ici. Identifiant, on doit utiliser d'autres formules. Concaténer. Donc, utilise quoi? Additionner les tests. Là, ici, on doit additionner les tests. C'est ce qu'on fait. Concaténer, addition des tests. Donc, concaténer dans les fonctions tests, on a formule, fonction test. Et on les cherche, ça y est là. Concaténer, très très important. Premier test, c'est celui-ci, le nom. Deuxième test, on doit faire un peu d'espace, oui. Espace. Troisième test, c'est celui-ci. Poste ton nom. Ok. Et quoi encore? P, l'espace. Espace. Attends. Oh, c'est les prénoms, pas mal ça. Très bien, très bien. Ah bon, on a un peu agrandir un peu pour que ça puisse un peu se voir bien. Ici aussi, ça posait des problèmes, hein? Que ça ne se voyait pas. Ok, pour agrandir, on peut venir ici, on me double-cliquer. Donc, nous avons d'identifiant, nous avons le pourcentage ici. Ce qui doit nous faciliter notre recherche. Ok, très important. Donc, qu'est-ce que nous venons? Nous venons ici. Nous cherchons quoi? Les noms d'élèves. Recherche V. La recherche le plus, la recherche magique. Test, non, non, tout. Ou bien recherche référence. Que nous puissions être un peu précis. Recherche V. Recherche ça. Ces pourcentages ici, la table de matrice, très important. Faut savoir seulement là vous cherchez. Je vais ici, comme vous le savez déjà, je pointe ici. Donc, dans colonne index, c'est 2. 2. 2. 2. Bien. Ici, on n'a pas besoin de valeurs proches. Ici, on a besoin de valeurs exactes. Ok. Bien. Oh, pas mal. On a sorti le meilleur lauréat. On peut voir Mundele Bovi, c'est le nom congolais. Mundele Bovi, qu'on copie cela, c'est ainsi. Est-ce que c'est la réalité, ça? Mundele Bovi. On cherche. Mundele Bovi. On cherche là. Mundele Bovi. Ça doit être ici, ou que je puisse un peu filtrer. Hein? Les noms, hein? Je peux un peu les filtrer là. Non, non, je commence ici. Oh non. Je suis un peu des A jusqu'à Z. Ok. Oh, le voici. Et là, c'est 36%. Très, très, très important. Ah, c'est bon. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? On a trouvé les noms complets. Les sexes. Oh, les sexes. On demande d'avoir les sexes, de savoir c'est un garçon. Toujours la recherche V. Très important. Recherche V. Recherche V. Ici, qu'est-ce que nous cherchons? Nous cherchons encore toujours le pourcentage. Laquelle table de matrice? Dans cette table de matrice ici. Dans cette table de matrice, on peut revenir ici. Dans cette, excusez-moi. Excusez-moi. Bien. Le pourcentage, c'est dans quelle colonne? On peut compter avec vous. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 6, bien, 6, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, oh, c'est 7, parce que j'avais vu déjà, on m'a sorti Roger, 7, oh, c'est un garçon, mais je vois déjà, proche 0, oh, pas mal ça. Son code peut venir. Son code où? Excusez-moi. Son code. Oh, on cherche aussi de savoir les codes de l'élève. Oh, bon. Très important. Hein? Cette université est tellement organisée. Le code de l'élève. Le code de l'élève. Je fais ça. Je fais quoi? En recherchant ça. Cette table de matrices. Tableau D. On peut étudier même les noms, on doit les voir. On doit les voir avec d'autres vidéos. Je dis d'abord merci à Monsieur Salva. C'est quelle colonne? On cherche les codes. C'est 3, oui? Oui. C'est 3. 0. Pour montrer que c'est faux. Non, c'est 0. Ok, nous avons son code, c'est
11, 58, 132. Ok. Nous sommes maintenant à la fin de notre vidéo. Ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on ne veut pas ça? Les DG ne veulent pas ça. Donc, nous allons prendre ça. Nous allons prendre ça. Le masquer. Il vient ici masquer. Ok, notre vidéo, ou bien notre. Ça, qu'est-ce que ça peut être comme ça, oui. On a bougé. Ici, pour ceux-là qui savent que non, nous avons utilisé les zones de test, nous avons utilisé des images. Donc, parce que ces vidéos s'adressent un peu à ceux-là qui ont déjà de la connaissance en Excel, pas pour des débutants. Ok, ici, c'est fait. C'est fait déjà. On peut aussi faire ça. Okay. Qu'est-ce qu'il nous demande aussi? Il vous demande d'ajouter l'étudiante portant les noms de Moussa ou Kadima Akas, sexe F. Oh, Moussa ou Kadima Akas. Moussa ou Kadima Akas, sexe F. Ok, on vient ici. Ok, c'est là où ça pose du problème. Là où on doit acquérir. Est-ce que notre base de données travaille ou bien ne travaille pas? On commence ici, les noms. Moussa ou Saou. Oh, vous voyez, on a récupéré directement comme il a 0%. C'est ajourné Moussa ou Kadima. Moussa Kadima. Kadima. Acacia. Acacia. F. Une fois, ok, on regarde d'abord parce que je ne veux pas mémoriser. Hein? Regarde d'abord ce pourcentage. C'est 180, 45, 16. 180, 80, 80, 45, 116. 180, 180, 45. Ici aussi. C'est 116. Ici, qu'est-ce qu'on avait mis? Que je puisse un peu regarder. Que je puisse un peu regarder 116. 160, 238. 160. 238. Bien. Ok, à la fin. 238 à la fin, c'est combien? 238 à la fin. Voilà aussi, les DG n'a pas donné. Qu'on puisse leur ajouter un peu quelque chose là. C'est 40. 40, ok. Ici, on nous a. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit d'incrémenter son code. Ok, d'incrémenter pour que le code ne puisse pas se ressembler. Ici, on fait quoi? On fait ça. Ici, on a recopié, mais on vient ici. On change, on dit qu'il est incrémenté les séries. Donc, là aussi, 11, 58, 177. Au lieu d'avoir 11, 58, 176, c'est celui qui est là. Ok. Pour voir aussi, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne dans notre tableau? On peut masquer ça. Masquer ça. On peut masquer aussi quoi. Non. Oh, pas mal ça. Vous voyez comment notre. On peut effacer même ça aussi directement. On peut effacer ça. Bien. Vous avez vu. Pas mal ça. Donc vous voyez, notre code fonctionne déjà. Fonctionne déjà. Fonctionne déjà. Donc Moussa Kadima Acacia, c'est celle qui a quoi? Celle qui est un peu la meilleure lauréat. Ok. Mes chers amis, nous venons d'arriver à la fin de notre vidéo. Si vous êtes arrivés à la fin, je vous dis bravo. Mais je vous dis que aucune vidéo ne remplacera jamais un bon formateur ou bien formatrice qui verra comment vous travaillez et qui vous applaudira, qui vous corrigera, qui vous donnera d'autres suggestions. Et si vous avez aimé, n'oubliez pas d'aimer notre chaîne. Et notre chaîne qui est MKM Service, MKM Service. Donc notre chaîne, ou bien de nous écrire sur le numéro qui est ici.
WhatsApp ou bien notre adresse email, ou bien de faire un peu de s'abonner, ou bien de faire aussi des suggestions, des commentaires. Merci beaucoup. C'est à bientôt.